puisque je te dis que c'est là. Ah, c'est là qu'ils ont tourné le reportage des zones interdites, je suis quand même pas con. Oui, mais on a l'impression que tu... Enfin, mon rêve. Ah, je sais ce que je dis. Je sais, moi, j'ai le flair, moi. Ouais. C'est ce qui te manque. Ne ris pas, ne ris pas, non. Ça n'a pas de sens. Ah, t'as compris ce que je veux ou pas? Bah oui, je vois un petit peu. Ça. Non, ne dis pas non, ne dis pas oui. Dis oui, j'ai compris. Et voilà, oui. Tu l'as pas dit. Oui, j'ai compris. Voilà. Mais non, t'as pas compris. Parce que je veux, c'est que tu captes. Hein. Là, tu vas avoir du miauleur, du chialeur qui va être... Ça fait 20 ans que je bosse là, on se fout de ma gueule. Ah, et c'est là que tu captes. Tac. Tu vois? La larme du travailleur, c'est ça que je veux. T'as compris? Répète-le. Larme du travailleur. Larme du travailleur. Voilà, on s'en fout, ne répète pas. Hop, tu le captes, tu fais un zoom arrière, comme ça, sur sa joue un petit peu couperosée, un peu dégueulasse, comme ça. Tu captes l'émotion, tu vas chercher le drame. Chercher, capter le. Hein? Attends, mais merde, ça y est, j'ai pas terminé, ça fait pas Ouais, mais alors elle est où, Jeanne Bignon, parce que là... Elle fait un peu de ménage, là, on voulait recevoir dans un endroit correct, alors... Mais elle va arriver. Moi, c'est Hervé Dumont. Enchanté. Et les syndicales. Et moi, c'est Jean-Claude. Ouais, ça va. Oh, bon, on va essayer avec Monsieur Drummond. Oui, non, voilà, Dumont. Drummond, de toute façon, on s'en fout, c'est coupé. Ah, bon, d'accord. Prêt? Donc, vous êtes dans cette société, maintenant, depuis un certain temps. Depuis 1989, à l'époque, j'étais à Pubini de Bazeux, j'ai divorcé, je suis venu ici. Non, en 90, je suis venu ici. Non, t'étais pas à Bobin? Ah non, Bobin c'était en 88. Non, mais bref, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, on comprend aisément que ce soir, eh bien, vous avez l'estomac un peu noué. Ah oui. Ouais. Oui, c'est bon, vous sachiez ça, parce que c'est à cause de la mousse de canard de Jeanne Bignon dont on parlait tout à l'heure, justement. Ouais. Elle était pas bonne, je sais pas, j'ai pris un rénie et je suis noué. Depuis tout à l'heure, ouais. Oh, mon Dieu. C'est la télévision. Mais non, regarde, c'est Élie et Dieudonné. Quelle est con, celle-là. On me le fait toujours. C'est vrai que je suis Élie, ouais. Oui, mais peut-être. Ouais. Tu l'as, celle-là? C'est bien pour le bêtisier, ça. Non, j'ai pas filmé. Tu filmes, ouais. Mais tu vois, c'est ça le problème. Il n'y a pas assez professionnel. T'es mieux à coller du carrelage comme ton père, hein, Tonio? Alors, comment ont réagi vos collègues à toutes ces révélations, à cette émission? On les imagine bouleversés? Oh, tu parles? Ils sont tous arrivés en retard à cause de la neige, alors ils n'ont rien vu. Il y a eu de la neige, oui. Ouais. Attendez, si je comprends bien, personne n'a vu l'émission? Personne n'est au courant du scandale que cela a déclenché? Qu'est-ce qui... T'as fait des trucs de cul? T'es passé à poil à la télé? Ça repasse quand? On fait des cassettes? S'il vous plaît, laissez faire mon travail, s'il vous plaît. Ouais, on dessous le journal, là. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Le reportage de ce soir a permis de mettre en évidence toutes les malversations commises par cette entreprise. Tout de suite, les réactions. Quelle malversation? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jeanne? T'as parlé de quoi? T'as parlé du CE? Oh mon Dieu, j'en étais sûr que t'avais fait une connerie! Mais espèce de salope! Mais comment t'as osé? Je le trouve pas, j'en dis. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez me donner la cassette et on va refaire l'interview. Parce que moi, je suis le délégué syndical ici. Moi, je fais pas un reportage sur le syndicalisme. Attention, moi, c'est le chômage, la résignation, le désespoir, c'est ça que je cherche. Mais quoi, la résignation, le désespoir? Mais si, vous allez trouver la lutte et le combat, pas vrai, les camarades? Ouais. On est fini alors. Bon, il est où, Jean-Guy? Qu'est-ce que c'est, Carole? Vous avez pas de nouvelles? Non, je vous parle. Jean-Guy Lecointe que vous cherchez? Oui. Votre DRH? Oui. Tonio. Tu me captes bien leur émotion, hein. C'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Oh putain! Les gros plans, Tonio. Monsieur Lecointe, c'est le reportage diffusé par Zone Interdite qui explique ce départ précipité. Ce voyage était prévu de longue date. Le président, il a dit qu'on avait les cabrons de la police à notre route. Faut vous nous laisser maintenant. Hein. Le pilote me dit qu'on risque de rater notre fenêtre de décollage. Monsieur Lecointre, une dernière question. Que va devenir votre personnel si vous mettez la clé sous la porte? Je pense qu'ils voteront à gauche aux prochaines élections. Allez, on décolle, président. Et voilà. Alors, des réactions? Tonio, la femme! Regarde, qu'est-ce que t'as fait, Jeanne? Qu'est-ce que t'as fait? Espèce de truie! Regarde dans quel état tu nous as... Putain, je prends des piles! On les pique déjà! Qu'est-ce que tu fais avec mon fâche, espèce de salope? C'est à moi, ça! C'est à moi! Putain, les gars! C'est Bagdad! Ouais! C'est génial! À moi, à 20h30, à moi, une 6! Viens, Tonio, viens, on file! Merde.
Bah, Jean-Claude, voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a tout pris, hein. J'arrive. Juste trouver cette merde, là, bon. Bah, moi, j'ai plus que sauver que ça. Ça fera des tapis de sol pour la Xantia. Bon, ben, je suis au parking, j'appelle l'ascenseur, tout chargé. La mère ? Toi ? On a beau être costaud, ça fait quelque chose quand même. Sûr. Fini les petits kawas où qu'on échangera nos impressions sur la vie. C'est vrai, ça va nous manquer. Dis-moi, tu crois pas qu'elle rentre dans l'ascenseur, la même machine, là ? Oh bah, vu de nez, ça devrait passer, hein. Ouais. Puis ça tombe bien, j'ai pas de cafetière pour le camping-car. J'ai rien de voir souvent, là. Attention. Entrons en bascule. T'es prêt, bébé ? Ouais. 1, 2, 3, allez. Voilà. Allez. Attends, ça passe. Putain. Et merde. Qu'est-ce qui bloque ? Je sais pas, mais c'est... Putain, c'est la prise. Un coup sec. 1, 2...